assure la réussite dans une famille. Il a parlé énormément de choses qui étaient une grande bénédiction, une édification. Mais si je peux résumer cela, peut-être en deux mots, il a parlé de la couverture de Dieu comme garantie pour le succès ou le bonheur dans une famille. Mais il a en même temps parlé de la qualité de vie. Il y a des choses que nous expérimentons dans nos familles à fonction de la qualité de notre vie. Alors ce matin, je vais aborder dans la même direction, je vais faire juste une continuation et un complément qui nous permet de nous replonger dans la prière pendant quelques minutes. Et le reste de prière, ce sera toute la semaine. Aujourd'hui, demain plutôt lundi, nous commençons une semaine de prière matinale dédiée à la famille. Je voudrais inviter toute l'Église, prenez du temps, même si c'est le soir en famille, mais le matin, nous voulons en tant qu'Église nous retrouver ici pour passer du temps dans la présence, prier pour nos familles. Je vous propose deux textes. Le premier, c'est Psaume 127, le premier verset, c'est très connu par nous tous. Et ensuite, nous allons lire aussi Ésaïe 58, le verset 11 et 12. Et j'aimerais que nous lisions ensemble le verset premier et Psaume 127, si vous avez trouvé dans votre Bible, ou si vous pouvez le lire sur l'écran. Nous pouvons y aller tous ensemble. L'isoler, s'il vous plaît. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Est-ce que je peux mieux vous attendre On peut le lire avec vivacité. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Nous allons dans Ésaïe 58. Juste quelques pages. C'est pratiquement euh, le livre qui, qui vient deux fois après, après le psaume. Ésaïe 58, le verset 11 et 12. Euh, je nous invite encore aussi à le, à le lire ensemble. Allons-y s'il vous plaît. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur de brèches. C'est lui qui restaure le chemin qui rend le pays habitable, acclamant la parole du Seigneur. Alors ce matin, je voudrais parler d'un sujet que j'ai intitulé « Si l'éternel n'est bâti la maison ». C'est donc le premier verset du chapitre de Psaume que nous avons lu. Voilà mon thème ce matin. « Si l'éternel ne bâtit la maison, trois points des suspension ». Et je voudrais aborder ce sujet dans quatre directions. Je peux ne pas épuiser le tout. Mais je vous aurais suggéré des moments ou des sujets de méditation. La première chose que je voudrais faire avec vous, c'est qu'ensemble, nous puissions, à la lumière de la parole, regarder c'est quoi la garantie du bonheur dans la famille. Nous parlons du bonheur, de la stabilité, de l'épanouissement qu que nous souhaitons de tous nos voeux, le bonheur de vivre dans une famille stable et épanouie. Donc, nous cherchons le bonheur. Quelle est la garantie du bonheur? La deuxième chose que j'aimerais aborder, c'est la promesse de Dieu pour ma famille. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ma famille, à la lumière des textes que nous venons de lire? Nous allons aussi parler sommairement de prendre conscience des menaces au bonheur de la famille. Nous pouvons mieux souhaiter le bonheur, nous pouvons mieux crier le bonheur, nous pouvons mieux souhaiter l'avoir. Mais j'aimerais qu'en tant qu'église, enfant de Dieu, nous sachions qu'il y a des menaces, il y a des choses qui peuvent vous empêcher de vivre le bonheur dans la famille. Enfin, j'aimerais que nous puissions clôturer par ce que Dieu attend de nous. Donc, la garantie du bonheur dans la famille, la promesse de Dieu pour ma famille, les menaces au bonheur de la famille et ce que Dieu attend de nous. Je ne prétends pas épuiser tout cela parce que ce sont des points qui peuvent séparément être abordés, mais nous voulons pour les... L'intérêt de notre semaine de prière, donner quelques sujets de prière. Alors, la garantie du bonheur dans la famille. Lorsque nous lisons le premier texte, ce texte montre que Dieu est la garantie du bonheur dans une famille. Il dit, si, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, ceux qui prétendent qu'ils la bâtissent, ils font du travail en vain. Si nous pouvons aller par extension. Ce passage veut autrement dire que Dieu, il est celui qui est le pilier, il est la fondation, il est la sécurité de la stabilité et de l'épanouissement d'une famille. Quand nous parlons de la garantie, c'est aussi à d'autres termes parler de l'assurance, ce qui peut vous assurer. Si nous parlons du bonheur, il faut vous assurer que vous devez vivre le bonheur, parce qu'il y a une différence entre crier des choses, avoir des intentions et vivre effectivement des choses. Si l'Éternel ne bâtit la maison à d'autres termes ou à d'autres interprétations, si nous voulons que Dieu soit présent dans notre maison ou dans notre famille, nous avons aussi besoin de bâtir la famille selon le modèle de Dieu. Parce que notre société aujourd'hui et notre génération, il nous présente plusieurs modèles qui sont loin du modèle que Dieu il a prévu. Si vous voulez vivre le bonheur, vous avez besoin de Dieu. Cela n'annule pas la responsabilité humaine. Cela n'annule pas vos efforts. Mais ce que nous essayons de dire ce matin, c'est que à un moment donné de la vie, l'église du Seigneur, le peuple de Dieu, chrétiens, chrétiennes, hommes et femmes, nous avons besoin de savoir que les efforts humains ont leurs limites. Les efforts humains ont leurs limites. Et si vous devez simplement vous appuyer sur les efforts humains, je vais dire à quelqu'un, sans Dieu, vos stratégies et vos efforts, à un moment donné, vous surprendront. Et ce matin, je veux que nous comprenions que chaque famille est dans le répertoire de Dieu, chaque famille sur la terre. Même si nous pouvons vivre le contraire de ce que nous prétendons ou de ce que la parole de Dieu dit, la question devrait être, qu'est-ce qui fait que je vis le contraire de ce que la parole de Dieu dit? Prévois. Quand vous prenez Genèse chapitre 12, le verset troisième, lorsque Dieu appelait Abraham, il a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et quand nous parlons de la bénédiction au plan biblique, ça veut dire que Dieu vous donne le potentiel de vivre le bonheur, Dieu vous donne les facilités. Dans la pensée de Dieu, dans le plan de Dieu, il est prévu que chaque famille soit un lieu de paix. Et lieu de bonheur. Donc, les choses dont nous parlons, c'est réellement la volonté de Dieu. Et dans Galates 3, si vous lisez 7, 8, 9, plus tard, lorsque Paul est en train de faire la connexion entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il dit que toutes les nations seront bénies en toi, comme Dieu avait prévu et il avait dit à Abraham. Et au verset 9, il me dit De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. J'aimerais simplement dire que vivre le bonheur, c'est quelque chose que Dieu veut. Vivre le bonheur dans ta famille, c'est la volonté de Dieu. Vivre le bonheur dans ta famille, c'est ce que Dieu veut réellement. Mais pourtant, aujourd'hui, les réalités que nous vivons sont les contraires. Les réalités que nous vivons, c'est parfois un tableau très compliqué. C'est pourquoi par exemple, le prophète Ésaïe, lorsqu'il parle à Israël, il dit il y a des ruines qui entourent Jérusalem. Il y a des fondements qui ont été détruits, qui font qu'en réalité, le pays n'est pas habitable. Mais il dit Mais toi, il faut que tu puisses rebâtir. Ce matin et pendant toute la semaine, et même tout le mois, nous avons besoin que l'ensemble d'enseignements, tout ce qui est communiqué ici, permette que chacun d'entre nous, nous puissions rendre nos familles des lieux habitables. Alléluia. Dites à celui qui est à côté Il faut que ta famille soit habitable. Travaille pour rendre ta famille habitable. Alléluia. Vous savez, il y a certaines études qui ont montré qu'actuellement, la plupart des maladies que des gens portent, que vous soyez mariés ou pas mariés, beaucoup de choses, des difficultés que nous avons rencontrées, c'est dans le mariage et c'est dans les familles. Certains portent des blessures dans leur cœur parce qu'ils les ont rencontrées dans leur famille. Vous vivez dans une famille, mais vous avez l'impression d'être rejeté, abandonné. La déception. Il y a même des personnes qui ont tendance vraiment à quitter la famille. C'est pourquoi, en tant qu'Église, en tant qu'Église, nous avons besoin de travailler pour faire de nos familles des lieux où il fait beau vivre. Je travaillais avec un monsieur il y a quelques années. La seule différence, c'est que. C'était la foi qui nous différenciait avec lui. Et il disait, Richard, tu as parfois la chance, toi, je te vois à 18h, tu es chez toi. Nous autres, là, nous nous assurons de rentrer déjà à 23h ou 22h quand tout est calme. Je sais que je n'ai pas de soucis parce que chaque fois que je rentre, ce sont des tiraillements. Et alors, la personne s'arrange pour essayer de passer le maximum de temps à l'extérieur. Et quand il arrive, il est saoulé parce que... La maison n'est pas habitable. Et vous savez, il y a même des personnes qui vous donnent l'impression d'être très occupé au travail. Il est en train de fuir chez lui. Est-ce que nous pouvons rendre nos lieux habitables? Alléluia. Faire de nos lieux habitables. On est allé même pour dire il y a des personnes que tu peux voir, il est trop, trop présent à l'église. Est-ce que réellement c'est pour le service pour Dieu ou il essaie de fuir certaines réalités en famille? Que Dieu nous donne la grâce. Que dans ta famille, tu te sentes à l'aise de vivre. Alléluia. Vous savez cette histoire où, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, il semble que dans une réunion, c'était une réunion de couple. Et heureusement pour qu'ils ne sont pas encore mariés ce matin. Mais il semble que la question a été posée à ceux qui étaient dans la salle. On dit que ça fait 5 à 10 ans ou 20 ans que vous vivez ensemble. Et que s'il arrivait un matin, Dieu descend et dit Ma fille, mon fils, si je t'ai donné la chance de choisir, après 5, 10 à 20 avec ces messieurs ou cette femme, est-ce que tu vas encore décider de commencer la marche avec lui Ou soit tu vas dire fiwe, Je n'attendais que ce jour pour que chacun prenne sa direction. Bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons rigoler, mais il y a des réalités. Alléluia. Et, et je pose la question aux mariés ce matin. Si, de manière sincère et honnête, on posait la question à ta femme et à ton mari, est-ce qu'il dirait réellement « Je suis heureux de recommencer ma marche avec lui » Ou il dirait « Bon, pasteur, en de Alléluia. Des insomnies dans des familles. Chaque matin, des personnes se réveillent avec un stress qui n'a pas, pas de source de nom. Que Dieu nous fasse grâce. Que l'Église, nous soyons cet endroit où réellement il y a des familles stables, où il fait beau vivre. Que l'Église soit réellement cet endroit où réellement nous pouvons retrouver hommes et femmes qui travaillent pour le bonheur dans leur foyer. Parce que même aujourd'hui, il est indiqué qu'il y, y a de la menace de divorce contre des familles, même dans les Églises. Et le prophète dit Les tiens rebâtiront les anciennes ruines et ils vont rendre leur foyer, leur pays, leur ville, leur famille, leur vie habitable. Je prie que ce matin, si tu avais le sentiment que tu dois fuir ta famille, mais que sur base de la parole tu comprennes, il y a la possibilité de rendre votre foyer habitable par la grâce de Dieu. Nous parlons de la garantie du bonheur. Et le psalmiste dit, sans Dieu, si nous ne bâtissons pas avec Dieu, nous n'avons pas l'assurance d'une famille, d'une vie, d'une destinée qui est stable. Et j'aimerais dire donc ce matin que la garantie d'un avenir d'une famille, la sécurité que nous pouvons offrir à nos enfants, la sécurité de l'avenir d'une famille ne se retrouve pas d'abord dans l'argent que nous pouvons accumuler. Nous ne pouvons pas dire ce matin que le bien accumulé, c'est ce qui fait le bonheur, pas forcément. Nous voyons des nations qui, à un moment donné, devenaient comme des lieux, des destinations où tout le monde voulait aller, mais parce que ces nations... Au chasser Dieu dans leurs familles, dans leurs églises, dans leurs écoles, c'est comme de la catastrophe. Malgré l'apparence de biens matériels, malgré l'apparence, je ne sais pas, du développement matériel, par contre, les statistiques montrent que c'est dans ce même pays où le suicides, où le taux du suicide est le plus élevé. Le dégoût de la vie, parce que nous avons détruit la famille. Parce que les gens ont tendance à fuir la famille. Puissions-nous ce matin, frères et sœurs, que chacun réfléchisse en tant que parent, en tant qu'enfant, est-ce que quelqu'un est content d'être heureux dans sa famille? Et quelles que soient les circonstances, quel que soit l'état des ruines qui peuvent être dans ta famille ce matin, j'aimerais te garantir qu'il est possible que nous puissions rendre le pays habitable. Je vais parler du deuxième point. Quelle est la promesse qui est attachée à la couverture spirituelle que Dieu donne à une famille ou à une vie Parce que nous parlons de la présence de Dieu, nous parlons de Dieu comme le fondement, comme la fondation, comme la couverture qui assure le succès, le bonheur, la stabilité dans une famille. Autrement pour dire, loin de Dieu, loin de Dieu, ce n'est pas évident. Que vous puissiez vivre le bonheur. La première chose, je voudrais que nous puissions regarder le seul verset 11e du chapitre 58 de Esaïe. Nous allons passer quelques temps. Je voudrais dire deux ou trois choses. Ce qu'apporte la couverture divine sur votre vie, sur votre famille, comme garantie de succès, comme garantie de bonheur. Parce que nous sommes en train de dire si je ne bâtis pas avec Dieu, si finalement je bâtis avec Dieu, si je fais de Dieu la fondation, si je fais de Dieu la couverture de ma vie, de la famille chrétienne, qu'est-ce que nous gagnons Qu'est-ce que cette couverture apporte Et j'aimerais dire deux ou trois choses qui sont comme le paquet, qui sont les contenus de cette couverture. La première chose, le prophète, lorsqu'il était en train de parler de ce que Dieu peut faire lorsqu'il est réellement présent dans votre vie, je vous ai épargné du texte à partir du premier verset. Mais en, en effet, le, le prophète, il était en train de parler des de personnes qui cherchent Dieu, qui veulent marcher avec Dieu, qui veulent réellement que leur vie compte à cause de Dieu. Si vous, allez, vous avez le temps, lisez un peu le texte à la maison pour commencer au premier verset jusqu'au onzième. Et à la, au onzième verset, ça veut dire quelqu'un qui est réellement qui marche avec Dieu. Il y a autant de choses que le, le prophète dit à Israël. Il dit que l'Éternel sera toujours ton guide. La première chose, lorsque Dieu, il est la couverture de ta vie, lorsque Dieu, il est le parapluie de ta vie, lorsque Dieu, il est celui qui couvre, je peux parler comme d'une couveuse. En réalité, quand nous parlons d'une couverture spirituelle, je peux l'expliquer avec une expérience humaine que nous pouvons mieux comprendre. C'est la couveuse. Une couveuse qui permet que, n'est-ce pas, une vie puisse prendre forme. Quand vous prenez un peu... Les, les poussins ou les poules, quand il a mis au monde, ou je ne sais pas, mis bas les, les poussins, il, prend, il fait un travail de, couveux, de couveuse. La couverture spirituelle, elle est la, la protection de votre destinée ou de votre famille. Donc quand Dieu, il est celui avec qui nous fondons la famille, il est celui qui guide notre vie. Alors, ce, ce, cette portion du verset 11, quand nous disons l'éternel sera ton guide, ça signifie que c'est Dieu qui donne la direction à votre vie. Et j'aimerais que nous comprenions que lorsque tu es sur la direction, la bonne voie de l'Éternel, tu, tu as la garantie d'avoir accès à la provision qui est destinée à ta vie. Alléluia. J'aimerais que nous retenions cela très bien. Lorsque je suis sous la voie de Dieu, dans la plupart des cas, nous nous sommes retrouvés sur une voie autre que là où Dieu veut que nous soyons. Et j'aime cet homme avec son humilité, c'est David dans le Psaume 23, le, chapitre, le verset 2. C'est un texte que nous lisons très souvent. Il dit, il me fait reposer dans des verts pâturages et il me dirige près des eaux paisibles. C'est un homme qui a, qui a goûté l'élévation. C'est un homme qui a goûté la gloire. C'est un homme qui a eu la richesse. C'est un homme qui a quitté le bas de la vie, réellement la poussière. C'est un homme qui a quitté l'anonymat. C'est un homme qui a quitté le mépris. C'est un homme qui a quitté le rejet. Vous savez l'histoire à un moment donné, quand on disait à son papa ou à tes enfants, c'est quelqu'un qui a été abandonné. Donc il n'était pas dans le répertoire de son père. Mais à un moment donné, Dieu lui fait du bien. De la même façon que pour la plupart d'entre nous, que vous soyez marié ou pas, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, Dieu est celui qui change la vie. Alléluia. Dieu est celui qui change de statut. Avec le temps, les choses changent. Tu ne resteras pas la même personne. Alléluia. Et à un moment donné, Dieu, c'est cet homme, il est, très, il est humble, il a appris à, à se soumettre à Dieu, il a appris à marcher selon la direction de Dieu. Même au sommet de sa gloire, cet homme dit, il me fait reposer dans des verres parturages. Ce matin, homme et femme, mari et femme, où est-ce que tu te reposes Où est-ce que se trouve ton cœur réellement Il dit, il dirige, mais dirige près des eaux paisibles. Bien-aimé dans le Seigneur, la paix du cœur, la stabilité, l'épanouissement c'est quand en tant qu'enfants de Dieu, nous restons sous la voie de la parole de Dieu, nous restons dans la crainte de Dieu. De plus en plus, nous voulons avoir des familles stables, nous voulons avoir des familles qui prospèrent, mais en réalité, nous sommes loin de Dieu. Trouvez dans les églises, lorsque les gens commencent, par exemple, leur vie conjugale à l'église ici, vous avez vous-même décidé de venir devant Dieu pour dire, Seigneur, je veux la bénédiction. Mais quand les jours passent, Dieu commence à te bénir, Dieu commence à élever, à visiter la famille. Ce n'est plus Dieu qui dirige la famille. Pour certains, c'est maintenant les diplômes qui dirigent la famille, c'est l'argent qui dirige la famille. Vous avez entendu ces quelques expériences où un monsieur qui était main vide, qui était un peu informe, Dieu lui donne la grâce d'avoir un peu d'argent et il commence à regarder l'argent et il dit, la femme que j'ai ne mérite pas l'argent que j'ai. Il dit, la femme que j'ai là, je l'ai épousée quand j'étais pauvre. Mais maintenant, je dois avoir la femme qui doit consommer l'argent. Ce n'est plus Dieu qui dirige tes yeux, c'est l'argent maintenant qui dirige tes yeux. Ce matin, frères et sœurs, ce matin, il y a quelqu'un qui, qui pourtant était chrétien. On a raconté ce témoignage malheureux. Il se retrouve un peu dans un. Dans un hôtel 5 étoiles, tout est très très propre, très, très éclatant. Et la personne dit à son collègue, il dit, est-ce que quelqu'un peut passer une nuit sur ce lit Vraiment seulement comme ça, boulou, ma Parce que Dieu t'a donné l'argent, tu commences à trouver des accompagnateurs pour la richesse que Dieu t'a donnée. Il y a une femme qui dit, depuis que mon, mon mari a trouvé l'argent, il est devenu insaisissable. Et certains disent qu'on connaît un mari stable quand il a l'argent. Je ne sais pas si une femme stable, on la connaît comment. Vous avez la réponse En tout cas, je vais encore faire mes recherches. Je reviendrai prochainement. Mais en tout cas, pour nous les hommes, on nous accuse que quand la poche est remplie, l'homme est match en Kassan. Laisse que Dieu stabilise vos yeux et que Dieu stabilise votre cœur. Alléluia. Les choses que Dieu vous donne, c'est pour votre famille. Quand Dieu bénit certaines familles, il y a des gens qui tournent à gauche, à droite. Et ils ont apporté la malédiction dans la famille, ils ont apporté la pauvreté dans la famille. L'éternel sera toujours ton guide. La bénédiction, la paix, c'est lorsque tu es sur la voie que Dieu veut. Combien de fois, lorsque tu te retrouves que tu es à côté de la parole de Dieu, pourtant chrétien, tu n'as pas de paix. Combien de fois toi-même dans ton cœur, tu manques de paix. Tu dois mentir à ta femme, tu dois mentir à ton mari, tu dois mentir aux enfants. Et la paix disparaît, et même c'est des hommes et des femmes qui se disent qu'ils sont à l'église. Restons dans la direction. Bien aimé, la couverture de Dieu, elle nous donne la direction et nous assure. Je J'aimerais dire ce matin, frères et sœurs, le monde dans lequel nous sommes, c'est une jungle. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un désert. Si Dieu ne vous donne pas la direction, vous allez vous associer avec des personnes qui vont détruire même les finances de la famille. Vous allez vous allier avec des personnes qui vont détruire la famille. J'ai vu des personnes sans la direction de Dieu. Il y a un homme qui avait eu accès à des fortunes et il s'est allié à des personnes de mauvaise foi et ils ont détruit les fortunes de la famille. Frères et sœurs, ce matin, je prie que Dieu nous aide. La couverture de Dieu nous donne la direction. Ce matin, je ne sais pas où se trouve ton cœur. Avec le peu de choses que Dieu t'a données, que ce soit l'argent, que ce soit la dignité, que ce soit le poste, je ne sais pas. Où est-ce que tu es Parce que sans la direction de Dieu, avec la jalousie, avec la haine, avec l'hypocrisie, vous allez vous retrouver poignardés. Et la famille et les victimes. L'éternel sera ton guide. Des hommes et des femmes qui ont la couverture de Dieu, dans la direction de Dieu, vous avez la sécurité, vous avez la protection et vous avez la provision. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire direction, sécurité Protection et provision. Trois choses que vous avez quand tu es sur le chemin de Dieu. J'ai toujours eu l'assurance, même si je n'ai pas, mais si je suis sur la voie où Dieu veut que je sois, j'aurai la sécurité, j'aurai la protection de Dieu et je raconterai sur mon chemin la provision qui est attachée à ma vie. Alléluia. Que Dieu ramène des cœurs sur le chemin, le droit chemin. Parce que je sais qu'il existe une provision attachée à votre vie. Alléluia. La deuxième chose, c'est qu'apporte la couverture divine. C'est qui garantit le bonheur dans une famille. Écoutez ce que le prophète, lorsqu'il parle, il dit, il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Est-ce qu'on peut lire ensemble cette portion Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. La couverture divine assure la présence de la provision pour vos besoins. Alléluia. Lorsque je suis dans la couverture de Dieu, lorsque je suis dans la couveuse de Dieu, il y a des choses pour lesquelles mes efforts ont des limites, mais Dieu s'organise pour me donner ce dont j'ai besoin. Et alors que nous prions ce matin, je prie que le ciel soit mobilisé à cause de toi. Parce que la couverture divine, elle nous prend en charge. Lorsqu'il dit... Il rassasiera ton âme. L'âme est le symbole de besoins humains. L'âme est le symbole de ce dont nous avons besoin. Il dit Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Les lieux arides, c'est le symbole de la sécheresse. Les lieux arides, c'est le symbole du manque. Les lieux arides, c'est le symbole d'une situation difficile. Frères et sœurs, la vie ne sera pas toujours rose. Il y a des moments où nous allons manquer, il y a des moments où nous allons avoir. Mais lorsque nous avons la couverture divine, même pendant les moments de désert, Dieu est capable de vous donner la, ce dont vous avez besoin. Laisse que pendant que tu acclames, Dieu te donne ce dont tu as besoin. Que Dieu donne la fertilité à ta vie. Que Dieu fasse couler. Alléluia. Vous savez, j'ai eu affaire dans ma vie face à des situations très compliquées. En tant que père de famille. Tu regardes à haut, tu regardes en bas, tu regardes à gauche, à droite. Si tu dis à ma famille, vous avez la grâce, il y a un oncle à Kinshasa ministre, peut-être quelqu'un qui vous a précédé, il a une entreprise. Nous autres, on a une entreprise. Donc si on doit parler de quelqu'un, c'est peut-être toi. Et même avec des difficultés en famille, il faut un job à tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que je vienne Il m'a demandé, il m'a demandé il te rappelle que ton père est encore vivant. Alléluia. Alors la semaine comme Seigneur, qui a présenté besoin à semaine, est-ce que Baba est comme Et si on te donnera cette réponse-là, que la couverture divine te prenne en charge. Alléluia. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin, je l'ai vécu, la couverture divine m'a pris en charge. Si tu as été rejeté un moment, si tu as été humilié, quand la couverture divine, elle est là. Elle assure. Alléluia. Frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, j'aimerais le dire et que nous le comprenions très bien. Nous ne vivons pas seulement avec les provisions humaines. Nous ne vivons pas simplement parce que nous avons un salaire. Parce que nous avons un salaire en Katikaka, na Il faut qu'à un moment donné, le ciel soit mobilisé à cause de toi. Laisse que le ciel soit mobilisé à cause de quelqu'un ce matin. Alléluia. Un enfant de Dieu, sa vie ne dépend pas forcément de ce qui est dessiné en mathématiques. Amen. Parce que si ta vie est définie par le mathématique, c'est que tu as des limites. Parce qu'en fait, même le salaire, c'est une définition des limites qu'on a aux Pour que tu aies des limites, si tu as des limites, tu as des limites nous avons des n'a pas salaire. salaire

ça va n'existait pas mais qu'on a senti que c'est toujours évident. voilà z'achais chata. Si z'en a quoi z'achais, j'ai dit vrai je dis faux. Alors si ta vie doit dépendre de z'achais chata déjà, tu vis comment C'est que c'est que la couverture. Quand nous prions le bonheur, et ces jours, j'ai dit, Seigneur, que devient ma famille, Seigneur? Que, que devient, le, le, le mois suivant sera comment, il y a quelques années? Que, que deviennent ces enfants? Mais la manière dont Dieu a débloqué des choses, c'est le ciel. Alléluia. Laisse que le ciel débloque une situation pour toi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai dit bien au nom de Jésus. Et j'aimerais avoir des témoignages le dimanche prochain. Que le ciel débloque ta situation. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus! J'aime une histoire dans la Bible. Écoutez, Exode chapitre 15, le verset 22, et Exode chapitre 16, le verset 4. Seigneur, fais-nous trouver grâce devant toi. La Bible déclare Moïse fit partir Israël de la mer rouge. Ils prirent la direction du désert et après trois journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Je ne sais pas ce matin combien de fois tu as marché, combien d'années tu cherches, tu n'as pas trouvé. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. Parfois tu as cherché, tu n'as pas trouvé. Et finalement étant arrive où tu trouves mais tu sens un bon Dieu a bouchung tenaï. Ça ne satisfait même pas le cœur. Mais écoutez le verset 24, le peuple murmura contre Moïse en disant, ⁇ Que okay, boirons-nous ⁇ J'aime le verset 25. Moïse cria à l'éternel. Est-ce qu'on peut répéter Moïse cria à l'éternel. Et l'éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Je prie ce matin que dans ton amertume, le divin vienne changer l'amertume à la douceur. Il y a quelqu'un qui pleure, que Dieu transforme tes pleurs en joie. Tu peux me poser comment mais je sais que Dieu, il peut changer la situation. Alléluia. Et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. En fait, à un moment donné au ma bibliothèque, on a dit comme nibufumu. Dieu Comment un bois il ingia mumai ina kwa Donc, il y a des moments où Dieu va te révéler une solution, une que compliquée, mais à résoudre la situation. Alléluia. Que Dieu te révèle la solution au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je l'ai toujours dit, un enfant de Dieu ne peut pas être bloqué parce qu'il y a une couverture divine. Amen. Et écoutez l'Exode chapitre 16, le verset 4e. C'est comme une situation, un scénario un peu semblable. Mais cette fois-là, ce n'est pas l'eau, mais c'est la nourriture. Au verset 4e, Exode 16, verset 4, l'Éternel dit à Moïse, voici, lisons ensemble, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain. Écoutez la suite. Du haut des cieux. Que Dieu vous donne les solutions du ciel. Moi, je veux les solutions du ciel. Parce que pour un enfant de Dieu, les hommes peuvent fermer les robinets, mais ils ne peuvent pas fermer les robinets du ciel. Les hommes peuvent établir des limites, mais ils ne savent pas établir les limites au-dessus de toi. Laisse que -il, lorsqu'ils fermeront les limites, mais que le ciel descende la provision. Et je vois la provision divine qui arrive dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Le Dieu de l'Arche le Dieu qui nous soutient. Il vous donne la provision divine. Amen. Et c'est comme ça que les gens se posent la question. Ça, c'est bien de eh, kae. Eh, si vous connecté facilement à Ivy. Je suis sûr qu'à l'époque, le pain existait, civil. Parce que quand Dieu dit, je veux faire pleuvoir le pain, c'est que la culture de boulangerie existait. Pourquoi? Alléluia. C'est-à-dire, quand, quand, quand Dieu veut te faire du bien, lui-même, il s'occupe de ta situation. Je prie que Dieu s'occupe de ta famille. Alléluia. utendavyo vinashangaza neema yako ni ya pekee umwaminifu bwana kwa ahadi zako utendavyo utendavyo vinashangaza neema yako ni ya pekee Uwaminifu bwana Wadi zako Umepiga vita zangu Umepiga na vita vingi Yesu Sija sikia Sija sikia Umeshindwa Hata moja Umepiga na vita zangu Umepiga na vita vingi Yesu Sija sikia Hallelujah

Vous avez un fardeau par rapport à votre famille. Vous sentez que ça vous tient à cœur. Venez vous connecter à l'hôtel ici. Il y a quelque chose qui se passe ce matin. <t 'en>